Moi, je me dis toujours, le traître s'assoit toujours sur un siège éjectable. Quand tu trahis là-bas, tu seras trahi un jour. Bat, il ne fait que récolter le fruit de sa trahison. Il a trahi sa conscience. Il a trahi le peuple. Il a tout trahi. Un Congolais qui aime la République ne peut pas être dans le FCC. Le FCC, c'est le soutien à Kabila. Kabila, on sait d'où il vient. On sait. Le Congo est comme il dit, préfecture. Il y a Rwanda. Il y a sa préfecture. Et le préfet, c'est Kabila. Kagame, c'est le vrai patron. Le préfet, c'est Kabila. Comment on peut être Congolais accepter d'être dans le FCC? Comment on peut accepter ça? Comment on peut... Ah, ça fait mal. Mon cher, tu as sauté ma moana, bâti le coup, tu as un canda fort. Mais, au moment où les lots, nous nous disons, même si nous soutenons Fatshi, parce que le vin est tiré, il faut le boire. Mais quand les amakas n'ont pas lié son abassali, non, on devait en finir avec Kabila, on avait une occasion. Fatshi a sauvé Kabila. Fatshi a sauvé Kabila fort. Biki, Kabila, Biki. Et les gens disent qu'après c'est Biki, Moutaki sous ma coloté. Awakening Africa Magazine et Transformer Days organisent le Salon d'affaires africain, la plus grande réunion d'affaires africaine à Dallas. L'événement réunira des entreprises publiques et privées, des investisseurs, des dirigeants politiques africains et américains et des entrepreneurs. L'événement aura lieu au Grand Hall de Dallas le 6 septembre 2019, de 10h à 22h30. Awakening Africa Magazine. Nous construisons une communauté africaine forte et créons un héritage de richesse durable. Activités, salons et expositions d'affaires, conférences et networking. La conférence sera suivie d'un dîner de gala et de networking. Pour plus d'informations et réservations, appelez au 972 674 01 24. Ou envoyez un email à subscribe@awakeningafricamag.com. Wait, we heard about this amazing continent with everything that we need and everybody is packing their bags and running to us. Le salon d'affaires africain, là où les leaders africains se rencontrent et créent des opportunités d'affaires. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons vous annoncer la convention annuelle au Colorado, à Denver. Notre convention Messie Ministry Colorado. Et je vais vous présenter le premier orateur, qui est le révérend Roland Dallot, que vous connaissez bien de Philadelphie. Il va se présenter pour vous dire le programme, comment il sera sur place pour cette convention. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Apôtre Mbo, c'est un ami, un confrère, un ami de longue date. Et nous nous sommes perdus de vue, mais Dieu a permis qu'on puisse se retrouver. Et tel qu'il a dit, nous voulons vraiment prendre rendez-vous pour cette grande convention, et cette action nouvelle dimension dans la parole à Denver, Colorado. Je rappelle les dates qu'il a prononcées, cadre que Dieu a placé dans son cœur et pour lequel j'ai eu aussi à prier. Je pense que c'est un thème qui va répondre à nos besoins, la restauration, mais à tous égards. Une restauration qui touche différents aspects. Et nous prenons rendez-vous. Vous êtes des Denver, vous êtes des villes environnantes. Prenez rendez-vous avec nous pour cette période. Souvenez-vous, en 2019, Denver, Colorado, Messie, qui est l'église, est dirigé par l'apôtre Mbo. Que Dieu vous bénisse. Descartes, construction et yay! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC. Au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiment, immeuble, vente de terrain, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'Escarte Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche.
au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous ne serez jamais déçu. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447-93-92-82-813. Et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243-89-91-56-86-2. Descartes Construction, à Tozana Mbongo Moke, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michelou Atlantic Shipping, et yeah. Bana ya Canada, bana ya USA, bomitungi sali susute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungi sa penzate. Plus, bakoya koza koli tinanda. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1-508-371-6043 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243-89-551-3038. Michelou Atlantic Shipping, Yaboye, Baziwapi. Bonjour mesdames et messieurs, merci de rester branchés sur Congo Promo TV, sur cette émission Excellence qui est présentée toujours par Scotty Kabalo, la justice de la presse. Vous connaissez bien le but de cette émission parce que c'est toujours à la source. Parce que vous avez demandé, tout le monde a Marambo Désolé Kanambo Kanabiso, politique, Marambo Bele Bele Désolé Kanambo Ka. Donc, c'est pour cela qu'on est venu à la rencontre d'un artiste que c'était pas, ce n'est plus plutôt une image à présenter encore dans cette émission, parce que c'est pour la deuxième fois qu'on le reçoit dans cette émission Excellence. Donc, Tobomino Kombo n'a épousé la surprise. Là, je vous demande de rester branché sur Congo Promo TV et de vous abonner massivement. Avant de tout commencer, je dis merci à l'ingénieur Raph Ngundu, le boss de Congo Promo TV, avec toute la famille. Je dis merci à Djenga Force, Djenga Cellulaire, donc Tchombo na Tchombo, Djenga Cellulaire, depuis quelque part, Nabigé, Kalaming Touya Bakin, Djenga Cellulaire, le sponsor de cette émission qui est Excellence. Et, mais aussi, Tour Solana, invité Nabiso déjà na Marcy Singel na Imoroto Bimisa, il a beaucoup parlé. Je dis merci pour la disponibilité et puis bonjour Radek. Bonjour Deko, bonjour Bandeko, ya Congo pour Mo TV na ya monte Badola Nabiso. Bonne santé. Non, santé de fer, nan lo bango don Radek ata zongi kala. Donc bato balinga kufa donc basse ba calculer mabé. Mais gros bato mi soa mi no fo Radek et lengi, c'est bon. Donc Radek toujours combattu malgré Radek vous gagnez peut-être combat na bino, parce que c'est vous qui contrôle, c'est vous qui ont le pouvoir et puis banani sou ba combattre. Non mais victoire en haut, on peut le dire comme on peut le dire, mais au moni ba opportuniste ne ba récupérer situation on dirait. Les vrais combattants qui ont combattu le bon combat, apparemment, Bazo s'est retrouvé dans ma solo. Ming, il y a des camarades, on a fait des fans en Angleterre, en Londres, en Canada, en Allemagne, des gens qui ont fait des postes, des gens conseillers, des gens banani. Mais ceux qui ont combattu, ils ont fait des coups, voilà donc. C'est même ça le combat. C'est on peut dire que vous êtes mécontent. Et ça, un peu la cruauté du combat. Non, mécontent, non, parce que nous avons un peu le poste, mais un peu déçu parce que ceux qui ont combattu le vrai combat, bah, ça vous mentez dans ma solo. Donc voilà. Mais le plus important, moi, ce n'est pas le poste, métier, parce que la politique, pour moi, c'est le cadet de mes soucis. Maintenant, on a apporté l'eau par rapport au peuple. Il faut apporter le peuple l'eau. Mais la politique, en tant que poste, ça c'est le cadet de mes soucis. Et puis c'est pour cela, quand tu as parlé de ça, bah koufa pena na franc oyo bah tika biso na katia lito, c'est pour cela Tomoni dans studio plutôt tu as réalisé plutôt un titre qui s'intitule Repose en paix. Et dans ce titre Tomoni lobby trop, tu as immortalisé tous ces gens là qui nous ont laissés. Non, reposer en paix, ça et logo Mourobo et Tobetiango en honneur aux martyrs de la démocratie, les bah, activistes pro-démocratie au Bakoufaki. Il y a un autre Zolo, au Bakoufi.
baoba kangama tout ça va se retrouver te ba bosani pe bango di sobe to beta masute so so ko to fin to biti oh mais comment comment on goûte que non bat bago bosana bango na j'arrête histoire quoi et pire encore na Congo bat bosana bat facilement. Alors la seule façon à immortaliser bango ya ko sala nzembo mo en hommage na bango omoni biso to na ba coutume na biso tradition na biso culture na biso ya mingi nzembo so e maka ngo bien maka munyo sur les garanje pour la côté ka pour la ko sala ko tout nzembo kaka voilà. Alors ngapa na fan obit hein bato ba que non ba bundi un combat noble o ba congolais bele bato bango ko bimata na nzela ko revendiquer ata li pa ya pambe mati pri mais bande ko ils ont pris le risque Yarobi mananzela ko revendiquer. Tale lo comme li bango, soko bato boko bosa na bango. Yango to sali nzembo wana reposé en paix déjà sur YouTube, soko beti Radek Suprême reposé en paix na YouTube ko monanze mwana. Merci na bino ndenge boko partager parce que ezali message mo il faut tambola partout dans le monde. Bato ba comprendre que non ba jeune moko boye, bilombe moko boye ba bundela imboka ba tikaki. Bomo ina bango vina bango ki ndeka kabo nenge mona ba lumumba nenge moko na ba voilà. Alors reposer en paix nzembo wana ezali pe une façon et ça un plaidoyer toujours les la peine justice congolaise et ça la musala bien que les lots toyebi que justice congolaise de la cour constitutionnelle tina c il lo que ça les sous-souter vu que tous à peine période il y a alternance si on peut appeler ça comme ça to lingi pe makambu que non alternance en opé à la effective sur tous les plans même au niveau à justice la cour constitutionnelle ko balé bango les magistrats il faut reformer la justice congolaise il faut reformer ba cadre la justice congolaise tous ces magistrats là ces hauts magistrats là tous ces juges là il faut qu'on reformer il faut qu'on formater système et qu'on bande la zéro. C'était pour nous une façon y a aussi dans la justice et à la fête Nabatnet ba Floribert Chebeya Mamadunda là Serge Maéché, Fidel Bazana. Voilà, de Sénatou, Rossi, Gabi, tout ça. Les coupables sont là. Et je suis au Tambola. Au Tambola, à l'aise. Parce que ce qui est aux Anakibokondi, Batouna, Babomi, il faut assumer. C'est ça. Le ministre intérieur, il y a un Koufa. La police est Bouma, le ministre intérieur, il y a Bango. Ils sont à l'aise. C'est comme si de rien n'était. Vous comprenez? Au niveau de la présidence de la République Yakala, vous pensez que les gens sont innocents? Non. Monsieur Kalev Mouton est en train de circuler à l'air libre. Monsieur Kabila est en train de circuler à l'air libre. À l'aise. Aujourd'hui partenaire. Vous pensez que des gens comme ça n'ont pas de comptes à rendre? Partenaire de l'alternance. Vous pensez que des gens comme ça n'ont pas de comptes à rendre? Hein? Non, soyons sérieux. D'où il fallait qu'on rappelle le coup. Ils ont bête à cette. Et pourquoi pas qu'on sale la bateau au mausolée? Mausolée? Moussé Kabila en live. Basse la étala, mon néné à mausolée. Et là, on a malonga à Yana, on a par Barwande. Et là, on a malonga à Yana, on a Kouma par Barwande. Tala mausolée, on est en plein centre-ville. La patchi, c'est qu'il dit paix à son âme. A sali quand même Moussa, tout moni Moussala. Asali Moussa tout moni Moussala. Non, après tu sais que dans le guide de la pensée. Non, c'était pas un politicien, un politique du genre à congolais parce que c'est du très médiocre. Il est à qui a pour la pensée et vers la pensée, donc bah tu vas fumer la macanisse. Et bah guide de la pensée, mais il va se retrouver en l'autre côté. Voilà. Bah se retrouver en l'autre côté, bah couffer à pauvre. C'est pas pauvre, dans sa pauvre main, n'a rien. Voilà. Les opportunistes au Bayaka Yassimane, on s'est retrouvés parce que ils sont prêts pour sacrifier la loyauté à la trahison. Voilà. Donc moi, je pense que l'élo, il faut d'une fille et fille, voilà, martyr, héros de la démocratie, il faut un mausolée pour eux. Il faut mémorial, tout le monde a statué Lumumba. Il y a Kassavoubou. Le soldat inconnu n'a pas rond-point Foresco. Pourquoi pas PO y a martyr pro-démocratie. Et au salamois, place moi au caca. Bah tiens, même n'a côté un air posé à moi. Parce que nous avons mis vraiment à côté place où posé gars, you know. C'est-à-dire martyr, et que ça l'a bien. Là, ils ont peut-être proposé. Moi, justement, disque, comme ça,
Mokondi Mboka. Photo comme c'est les disques. Mais de ce qui est ingénieur qu'on a illustré, on me photo comme ça disque. Mokondi Mona Azwa Ayeba Ayoka, Ayoka Biso comme tout le bas. Et puis on n'a pas compris, on a habité de quelle idée ou l'idée était venue d'où. Le clip a été réalisé dans le cimetière nécropole entre terre et ciel. Tu as battu auto créer. Toi artiste, tu créer. Imagination t'a poussé musique. Premier artiste congolais c'est le clip dans le cimetière. Dans le cimetière avec idéologie cimetière. Vous comprenez? Au moins après au moins battu baro mon lana lana ming ming bah frère en Christ. Nous avons un Christ, parce que nous avons un cimetière. Parce que le repos des morts, nous avons dans le cimetière. Alors, au cours de l'histoire, il y a un bakoufa, il y a un bar, il y a un bois, ou bien un autre grave. Non, il y a une place, les solo et les alliés. Il y a un mémorial, il y a un statue, il y a un statue. Mais vu que le statue a été placé dans le cimetière, il y a une tombe, il y a Rossi Chimanga, il y a une tombe, il y a Thérèse Kapangala, il y a un Hussein Ngandou, il y a monité, mais on a déploré un peu, tombe, il y a Thérèse Kapangala. Ils ont dignité. Et ça, apparemment, c'est comme si les gens ne pensent qu'il n'y a que Rossi Chimangala à lutte. Non, il n'y a pas que Rossi. Bitumbo, Rossi Abouni n'a monité en rien à l'équipe à Thérèse Kapangala, en rien à l'équipe à Gabi, en rien à l'équipe à Hussein Ngandou, en rien à l'équipe à. Non! Les gens doivent être corrects sur toute la ligne. Tombe bien Rossi, mais ça va, de marbre, bien, tout ça. La prochaine tour, il y a un disque dans le bim, c'est allé au monde en haut. Tout ça, c'est là peut-être que vous avez en dessous de sa propre famille bah, financée. Les alliés, bah, combattants de partout dans le monde, la diaspora. Il faut reconnaître que non, dans la lutte, il y aura peut-être un bim, ça, maseke, ou bien un bim, ça, comme un fou la mamba. Pourquoi? Parce que Rossi Chimanga a profité avec ma camarade Mingi, il y a un activiste. Vous comprenez? Les activistes du mouvement, c'est bah, tiens, moi, pour moi, maman, quel est le bani, mais ça ne veut pas dire que non, les autres, non, non, ils ont combattu le même combat, bah, Koufi, de façon tragique, donc, bah, cimetière, en tant que bisomongo, bah, combattant, partout dans le monde, quand vous allez, parce que, bah, te belé, bah, kenakouna, un cimetière, un nécropole, voilà. Bah, te belé, bah, gouvernement, bah, nani, bah, ton ambassade, bah, nini, bah, voilà, bah, kenami, n'gara, et pas à Rossi, tu vois. Mais il faut qu'elle n'ait pas, et pas à Thérèse. Il faut qu'elle n'ait pas, et pas à Hussein Ngan, parce que, bah, ça, a quatre. Vous comprenez? Il faut justice à la équité, hein? Moi, sens, il y a équité à la. Et puis, il n'y a pas que la famille de Rossi Chimanga qui a besoin d'argent. La famille de Papi Chiswak aussi a besoin d'argent. La famille de Thérèse Kapangala aussi a besoin d'argent. Dans le lobby, il y a des gens qui sont là, mais dans le lobby, il y a des gens qui sont là, et ça va bien. Tombo, Thérèse Kapangala, c'est dans le clip. Tu verras le tombo, il y a un croix mourant, comme il y a un bon abandonné, il y a un bon. Mais tu as l'image qui est là. Et ça, c'est l'image qui est là. Il y a aussi l'image qui est là. Alors pourquoi entretenir deux poids, deux mesures? Et puis, on t'a suivi le dimanche passé. Mais seulement, le clip est Bimi, reposé en paix Bimi, c'est sur plusieurs chaînes. TV, c'est déjà une très bonne chose parce que Batebele, Radek, parce que moi, clique, moi, c'est clairement une apôtre, il y a un diabolisé Radek, combattant, lâché, Radek, Asili, Bosani, qui est dans la musique avant que combattant, il y a Bosani, qui est une nouvelle bête, bête, coco swing, bête, biloko, déjà, tu fais un combo dans le terrain, c'est-à-dire Radek, internet, il y a des gens qui vers internet, internet, il y a des gens qui déjà sur le terrain. J'avais déjà un discours cohérent, concret. Ce n'est pas un combattant qui est à la TV. Parce que si je clique, je vais diaboliser partout. Ok, descend, il m'a coupé. Il y a des gens qui sont à la TV. Il y a des gens qui sont à la TV. Il y a des musiques conscientes. Et ce genre de titre, c'est comment? La chaîne peut aussi grimper mon promotion. Mais bon, sa promotion en ligne. C'est un bon promotion. Voilà pourquoi tu as un système de télécharger à gratuité. Il faut un bon parce que tu as un studio dans un bon combattant. Mon côté à la gang en bon. Tu as fait les clips.
combattant mon côté à Elengango clique moi combattant à Paris à Belgique et Allemagne va tenir moi 2 000 $ 3 000 rien bah disque bimiwana poche na bengi président Jules Makoff on a Allemagne allô président Baxa t'as moi 200 € à au quoi allô Pascal Lonatio batunanga wana batunanga nakata qui combattante Baxa moi loco Pascal Lonatio tindi on comprend les gens na bengi Abou Bakar le King George Nakata UK, United Kingdom, The Snake. Baki se loko, mona moi 300-400 €. Nga mona baki moi 1000, moi 500 to kangi se loko, to sel clip. Ce clip là a coûté près de 1 000 $. Moutou, mon côté a baki si a pas bato na tangé liouana. Na bangi, que non a bengi maman Marie-Jeanne et koko to kenge na Suède. To legi s'inquiète. Vous comprenez? Voilà. Mais c'est à dire, quand les gens font des discours, n'a pas par-ci par-là, adek moi to kabe le monde, to pese, mais ce que l'année le bien, c'est que du mensonge. Pur et simple. Tous ceux vivent na oh mon que tous ça là na babilanga na ba nini ba business tous ça là ka ba cop na biso tous bas ça na ba ya na nga tous ces logo bah tous ces logo. Batouana batoumingi la plupart de ceux qui se prétendent des combattants ne soutiennent jamais le combat des autres. C'est de l'hypocrisie tout fait ce combat. Les gens veulent que tu tombes que tu échoues alors que bah bossin que quand tu tombes c'est le message qui tombe. Ils détestent la personne en même temps et le combat. On a besoin de Congolais. On a besoin de Congolais. Donc, on a besoin de Radek, le porteur de message, celui qui vient éveiller les consciences. Celui qui a créé vaguement un rappeur engagé. C'est un plus ou c'est un moins? Et c'est un plus. Et enfin, je suis arrivé. Salon Iglacoiffe Icoté. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi. Une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Une navigue. Hugues La Coiffe Icoté, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeicoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues La Coiffe Icoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues La Coiffe Icoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère Hugues La Coiffe Icoté, même père, même mère. Chiquicha, chiquicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues La Coiffe Icoté. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, nindindi pour les hommes. Mi parle de ces bimies à l'Ibanda, la Miss Nangala Zomon en haut. Et toi, troisième fait poli, quand on est en bas, tu vas faire un troisième poli déjà. Nangé Libanga, on a yawate. Nayez si j'y service. Na zwakata transit poli, awana j'y vais service, nambala moko. Transit? Oh! Nakuna banga qui n'est si mon attaque à toi. Ah bon? Yiba yango, na ki serie de bango yamoussala. Pas à faire la Brazzaville. Moi, je suis en Angola. 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 Je suis en pour nous commander, nous numéro un biso, nous na benga na yo, Zibe service, à vous livrer yo carton. Fait qu'on retire, yemoko à vous ya vous jouer yango. Fait, ya ouais na kisasa. Taka kisasa te, ya maniata. Makalu. Na Point Noir, na Brazzaville, na Angola, na Kinshasa, place à Robunga. Exacte.
mais balingi va détruire Moutoua par un groupe de combattants parce que peut-être n'aura contre leur leader politique, leur gourou, n'aba secte, n'aba parti politique, n'aba groupe de prière, n'aba parce que tout attaque à tout, ba parti politique, ba groupe de prière, ba bilo ou à tout. Alors vu que na poids d'agabango, na bimisagabango, na poisson, na combat d'agabango, na lingra jamais que non ba somba combat n'angai, na ko ina na balingi va détruire Moutou. Oh, bah, quoi, quitte t'as là, les lois, la TV n'est pas t'as la santé n'est pas zone. Bah, accident, t'as la négacili, t'as là, les lois, ça. Oh, mais n'a pas gango, n'a pas gango. Donc, n'a coup fanatique à Dojun, Gagaboy. N'a tigre à Dojun, Gagaboy. Hein? N'a tigre à Dojun, Gagaboy. Dora tigre à Gagaboy. Merci, Mbate. Ils ont eu tort, on est là. Peut-être, t'as toujours annoncé, bah, mon featuring à Jean Gouba, les oeufs. Voilà, et puis Jean Gobal qui a été invalidé par la Cour constitutionnelle. Et toi, tu es un activiste sur terrain. Donc, il y a une explosion de la catastrophe. Il y a une exam mystique. Il y a une musique. La tête doit fonctionner. Le titre, c'est la politique. Et bien, à la fin juillet. Il y avait déjà plein de studios. Non, ça dit que solo lit déjà Makamoutou demain. Tu comprends ta dada dans les lieux pour te planifier, tu es calé instrumental et ça les met déjà là. C'est la politique. Nyonso, c'est la politique. Trucage politique. Injustice politique. Cour constitutionnelle politisée. Dans nos assiettes, la politique. Les études, la politique. La destruction du Congo, c'est la politique. Voilà, autre monde appelle ce soir. Ben, à tout le bien, on peut si Jean Olélo, puis à Kinshasa. Donc, diplôme ligne, bah, résultat examen d'état. Mais il y a des trucs à déplorer, organisation, examen, le déroulement. Et puis tout le monde est là, OCP, la main source. Il y a encore de manœuvres par rapport à l'éducation au Congo. C'est la politique. C'est la politique. Il faut. Quand. Soko Lingo détruit Mboka Mongo. Si tu veux faire la guerre à un pays, à une nation, à un peuple, les lois sont soutenues qu'il faut que tu aies des armes, tout ça, que tu guerre. Voilà l'art de la guerre. Mais il ne faut pas attendre l'art de la guerre. Il ne faut pas que tu aies des armes, que tu aies des pertes en vie humaine. Non. Il faut détruire l'éducation. Comment voulez-vous expliquer que l'examen d'état par téléphone est kota? Bah mercenaire bah kota. Bah item avant examen c'est bimaki déjà. Donc bah on a déjà l'air à éclat, ça veut dire qu'il répond ses abou na kokoche boye bo. Et puis le pire dans tout ça, les parents le savent. Gars, c'est peu là ce qui s'est passé au Nigeria. Bah quand il y a des tonnes de donc des téléphones et des téléphones qui dans des salles de classe, bah tout bien en public. Mais biso. Donc ça dit, bah inspecteur, bah on m'a permis de ban, bozoa. Bah téléphone est côté, moi je te dis, donc moutou mon côté, ACP la naïe qui non, bah examen d'état, on a bas vu et belé. Moutou mon côté, c'est parce que tricherie à la longue. Donc ça dit, durant toute la séance, tricherie à la qui. Les mêmes enfants qui ont fait bah 60, 70, 80%. Soro pesi bang soro bi non to sala sikoyo examen mon boye contrôler vraiment que non et les gamma boye que non ba lande la bien et bire ba katan zora papa na bi pita dissertation en public télévisé ba ba katan et puis dans tout ça ba lauréat mingi ana ba konti ana ba ministre ba zora bonne gens parce que les lauréats ba ko ba bourse on zo mon ba jemo boye salema ça ne sert plus à rien. C'est-à-dire, et dans tout ça, les gens ne s'indignent pas. Les parents ne s'indignent pas. Au contraire, alors c'est là que non, il y a un peu de poudre, il y a un peu de poudre. Faire 60%, 70% les lois sous Danzete, 80% sous Danzete. Donc, au même titre, ben, l'élection, les cas qui sont élection chaotique, avec les résultats autoyebi sur Nabana Nyonso, sur Naba échelon Nyonso, national, sénatorial, tout ça. Tu es bien que tricherie en fait comme il a un mode de vie na Congo. Lelo pour être un gouverneur de la ville et ça sur base de projeté. Et comme Magamugeno Olesi. Banani comment on appelle ça bah député provincial. Bah député provinciaux. Parce que y a ga élection bah, au suffrage indirect. Oui. Donc c'est pas le peuple qui t'a voté. Ce sont les représentants du peuple qui votent. Donc sont Olesi no leki. Donc, être un sénateur, les lois, on peut pas dire que
faut laisser ça, bah député provincial. Donc ça ne sert plus à rien. Donc bah, il faut tout, il y a des parvenus, bah ébélé. Si yo que ça ne sert plus à rien. Lélo n'a rien à Jean Goubal avant n'a rien à voir. Mais j'ai vu Jean Goubal en colère. Zoba Kabila c'est un idiot. Kabila c'est un non moins que non mutata, c'est ma amie. Même ça m'colo. Moi j'ai dit à Jean Goubal Nobi. La cause est déjà perdue dans Minito. On a députation nationale, la cause est perdue. Bossanango. Mais Yosa Jean Goubal, tu vaux plus que la députation nationale. On lui a connu même que avant à postuler même la députation. Na ebiche en lobby. Au morning ko basalio. Ba betio arme. Zoara la même arme retournant contre Bango. Radek suprême na yenga yu, ngana otia au poids. Faisons un truc d'abord, c'est la politique. Avançons. Il m'a dit quelque chose lobby, il est grand temps que toi déraciner tous les moyens de la société, les accompagnateurs, le collabo de ce système, entre autres les musiciens congolais. Nabi, je suis partant. Et puis on a vu dans une émission le dimanche passé, tu étais vraiment très fâché sur le plateau. Il y a Moïa Ené Nanga Isaac Maï, là où tu as cité même le nom de Kofi Olomide, tous ces gens-là. Et ils ne sont pas des exemples, ce que tu as dit exactement. Maintenant, c'est ça, Koloba Yangote, Kofi Olomide, Wera, JB, Wemba de piètre mémoire, de triste mémoire. Bango, bah ça va modèle, t'es pour la République. Oh. Mais j'ai eu la malchance à vous attaquer par Robinho, Mundibu, Moussaka et Roger Ngandou, tous ces mendiants-là, tous ces flatteurs-là. Maintenant, Roger Ngandou, que nous avons Moussaka, donc des chômeurs notoires, des gaillards zéro dans la vie. Donc, Vina Bango Mobimba, Bandima Bango Bazala, si Mayamoutoumon pour se faire passer pour des porte-parole qui ne sont pas en réalité, en fait, ce sont des mendiants du dimanche. Bah, mendiants à chaque émission à dimanche. Bah, le gros 4, 5, 6 combo, bah, il y a TV, comme il y a tanga, po, bah, tu vas kabela bangombong. Ou bien, bah, si, bah, linga, bah, kabela bangombong. C'est ça leur vie. C'est ça leur vie. Ils n'ont jamais travaillé dans la vie. Ils ne savent pas ce que c'est un bureau, ces mendiants-là. Ces flatteurs-là. Ils ne savent. Donc, c'est-à-dire. Ce sont des déchets de la société. Des résidus. Des gens qui ne valent rien pour cette République. Mais voilà des gens comme ça, chaque dimanche, par exemple, ça va au plateau sur une chaîne, comme une chaîne nationale. Et Mission a dit, Harib ou Vérité, tu verras des gens comme ça qui ne représentent rien du tout. La crasse. Hein? La poubelle. Voilà en quoi nous avons réduit le Congolais, la tête du Congolais, dans l'imbécilisation. Et ces gens-là ont eu de la place dans la tête des gens, dans le cœur des gens, parce que le Congolais, la tête du Congolais ne fonctionne plus. C'est l'imbécilisation collective. Ce qui m'a dit, le leader m'aura bien. Oh, façon, le peuple n'a pas la culture, il faut que le pays doit marcher. Mais ces gens-là n'auraient même pas eu de la place. C'est impossible pas que nous soyons des parvenus, de rien du tout. Pas menacer ce qu'on me donnait des radecs parce que je défends les valeurs sur une chaîne télévisée et en direct. Imaginez-vous que Katanga parole en pleine émission. Dès qu'on a Isaac vieux, que non vieux, non Isaac. Apexi, on écoute en pleine émission sur les cas. Les images sont les cas. Babani Kofi Ngangai. Quand Nini n'a pas vérité que sur Kofi, qui n'est pas un modèle pour cette République. Parce que Robin était passé sur le plateau, à ce moment-là, non, quand il y a eu deux jours, tout ça, les gars m'ont pas au Bakanga, mais il faut être fou pour dire ça. Au comparé, arrestation à Yezu, na où il y a Kofi, na où il y a yo, mais il faut être fou. Donc Bakanga, pour que non, on doit abrutir jeunesse, pour ce bébé, c'est que non, jeunesse, et tu es fier de l'arrestation de Kofi. Kofi, si il a été arrêté dans sa vie, c'est pour la perversion, c'est pour l'inversion de valeur. Voilà. Mais comme tout est mélangé en Guana, mais n'a pas d'abîme dans les babangos, le combat va continuer. Narodo, donc ça dit bagarre au Togobunda. Moi, c'est ça des Yuma. Bagokaner batouana, batouana tout bagokaner. Ce sont des Yuma. Un petit n'a dit un Robin Yuma des jours pendant que moi les lana bat TV. Bakanyaï, na c'est les logoté, Bakanyaï, tout ça. Tu vois, parce que aner, tu vois, que nous, mon papa t'es, maman t'es de côté, moi si t'es, zaga, kumba ma belle, carton bête tout ça t'es. En coup, voilà des gens comme ça. Ils ont eu
de la place dans le cœur et dans la tête de Congolais parce que ils ont eu le temps à imbéciliser toute la... Voilà. Yaronto Lobby, c'est ça la guerre au Rwanda Babundisi Biso. C'est ça la guerre les impérialistes Babundisi Biso. Détruire la tête de Congolais, l'éducation, semer la corruption. Lélo, la corruption comme une normale. Normal. Est-ce que Yokabatouana, Bakofi, JB, Wemba, tout, j'en passe. Asi ba dénoncer la corruption. Faire une chanson contre la corruption. Bah ça là on a noté. Voilà maintenant que Nainet Najan Gouba, on s'est décidé, on doit mener la guerre contre des gens comme ça. Bah moi, il y a la chose, on tient un mongo, bah yego yemba. Mais bah on peut dire que non, nous faisons partie du système de corruption. Bah quoi le Benjamin? Ce sont ces mêmes gens-là qui détruisent, ces gouverneurs-là, ces ministres-là, tout ça. Ne bah toi, ne bah mission là, bah yemba, yemba, yemba. Alors il fallait se taire sur le plateau à Kin 24. Et comme je ne m'étais pas tué, voilà, en plein plateau, bah, comme il menace, il va bah, mettre na bango, bah, rebondir ça. Nous disons non, trop combattre bango. Il y a un autre lobby, tant que bateau balan a biso na bandeau na bango en ce moment, bah, on tient à beau côté, la bêtise va continuer. Et vous pleurez pourquoi? Parce que vous ne voulez pas résister, vous ne voulez pas combattre. Vous combattez derrière vos smartphones, derrière bah, internet, nanan. Non! Le combat se rajoutait un peu à la lutte. Le combat se mettre un peu. Radek doit passer à une émission. Il faut seulement m'envoyer au studio. Bah, clip, ça demande l'argent. Le clip à 1000 dollars que j'ai fait au cimetière, là, qui m'a donné 100 francs? Personne. Mais se prétendent que non, bah, combattant, tout ça, Kabila dégage. Oh non, comment on dit le président, comment on dit protocolaire. Voilà. Vous dénoncez à 8000 km. Mais si vous sentez que yo combat na okokate ou bien le combat de Radek a mené quoi porter un plus. Mais tiens maboko na kati, c'est pas de la mendicité. Nazangi elle a mbaté. Nazangi ça pas douté. Nazangi tchétchété. Naza bien. Mais mongo oh, il faut na somme la dojou na ngai miligamela. Le bébé qui est malade maintenant là. Le bébé est très malade. Tu viens de l'hôpital même. De l'hôpital. Je viens de l'hôpital de chez Jean Goubal puis na yé mission na pour on a honoré engagement na maintenant. Je dois m'occuper du bébé. Après, je dois m'occuper encore de la musique. Après, mais non. Et quand les gens n'aident pas, ça fatigue. À la longue, ça commence aussi à me fatiguer. Parce que je ne peux pas prendre mon nanga, oh ya, moi, nanga, il faut la traiter, la goutte, ta musique. Mais pour l'amour de la cause, je sors encore l'argent de la caisse pour faire un truc avec Jean Goubal. Nous aimons reposer en paix. Tous ces gens qui crient à longueur de journée, Rossi Chimanga, Héro, Thérèse, Héro, ils ont mis combien de clips, oh yo? Ils ont mis combien? Je dis merci à Peter. Tiens, il y a un moi et logo parce qu'il n'y a pas équipé dans le clip. Je pense que tous les gens qui suivent cette émission, bah congolais tout boza bien partout dans le monde, les congolais de la diaspora, bah congolais boza vraiment libanana ou boana kati, vous comprenez vraiment la lutte qui mène plutôt notre artiste, notre Radek national, notre Radek national. Mais Radek, si on peut parler aussi de la situation politique de ce qui s'est passé ces derniers temps, Namboranabiso et tout le bien à niveau du Sénat, le choix de Kabila entre Bahati et le monsieur Alexis, c'est Alexis Tamoyo Mama, je crois, c'est lui déjà. Et puis Bahati, il s'est retiré de la FCC, éclatement de la FCC. Quelle lecture tu peux faire de cette situation? Moi, je me dis toujours. Le traître s'assoit toujours sur un siège éjectable. Quand tu trahis là-bas, tu seras trahi un jour. Bahati ne fait que récolter le fruit de sa trahison. Il a trahi sa conscience. Il a trahi le peuple. Il a tout trahi. Un Congolais qui aime la République ne peut pas être dans le FCC. Le FCC, c'est le soutien à Kabila. Kabila, on sait d'où il vient. On sait. Le Congo est comme il dit, préfecture. Il y a Rwanda. Et sa préfecture. Et le préfet, c'est Kabila. Kagame, c'est le vrai patron. Le préfet, c'est Kabila. Comment on peut être Congolais accepter d'être dans le FCC? Comment on peut accepter ça?
comment on peut... Il ne... F... Ah. Ça fait mal. Mon cher, tu as sauté ma moine, tu as sauté ma moine, mais au moment où nous disons, même si nous soutenons Fatshi, parce que le vin est tiré, il faut le boire, mais quand les amakas n'ont pas lié en son abassali, non, on devait en finir avec Kabila, on avait une occasion. Fatshi a sauvé Kabila. Fatshi a sauvé Kabila fort, Biki, Kabila Biki. Et les gens disent qu'il a passé par Biki, Mutaki sur ma coloté. Où Kobika yango en a Biki si. Ah, mon frère, n'aura pas si. Pe bati ba trahi ki pe na batuna e. Moi si mo bwana bimele mbala moko Luigi na e po ya ki Mario. Luigi mamo ra bimi. Donc double na ya bimi mbala moko. Traîtres n'ont pas fendu sur un siège éjectable, même tous ces traîtres-là du FCC, un jour. Yaoutobi, il est temps de se lever. Balobi alternance, oui, ton dimi alternance en Obongo. Si quoi alternance, peine à ta mitou à battre. Faut te changer tout ce qu'il y a dans la tête du Congolais. Tout l'homme, ça peut pleurer. Un jour viendra, le jour viendra. Yaoutobi, ça se trouve au bandit, ce qu'on et ça demande l'argent, ce travail. Pas pour manger, pas pour boire, parce qu'on mange et on boit. Toi investir dans le Congolais. Toi investir dans ceux qui voient clair. Toi investir dans ceux qui veulent se battre. Toi investir dans ceux qui mettent leur vie en danger. Toi investir avec ceux qui ont du cran, du courage, des couilles, comme on le dit. Investissons. Et vous ne serez pas déçus. On a beaucoup reculé. Depuis que moi j'ai reculé du rap engagé. Le rap engagé a reculé. Mais il y a aussi ton frère Alexis qui le fait aussi bien, non? Il fait du rap engagé? Je crois oui. Mais il y a comme une photographe à Fayoul. Il y a comme une photographe. Il y a un kanga Fayoul photo. À sa politicien. Il y a un kanga Fayoul photo. Ba photo. Quand il y a une page, il y a comme communicateur. Communicateur photographe. Et infographe. Ma maman, tu es dans le salaire. Mais là, l'amour qui est fan de papa Souloula, il y a fan dans la maison de Batiaké Moussika. Et c'est ça même. Être risible, se rendre risible, être la risée de tous. Un rappeur, c'est Talakuna Ota Uganda, rappeur emmené opposition. Il y a un rappeur comme Kenos Yama Martin Fayoul. Martin Fayoul qui a un passé, Toyebi le passé. André Kemouta dossier, Toyebi. Toyebi. Il a les mêmes propres. Il est dans le système. Il y a un rappeur avec des valeurs, avec une conscience, avec une lutte en combat pour l'opportunisme. Tu veux te ranger derrière lui. Il est le pire photographe. C'est la honte de la musique congolaise, c'est la honte du rap congolais. C'est pas comme ça que je l'ai enseigné. Il a suivi un cours, mais à suivre en mabé. Et c'est triste. Tu te dis, tu es le professeur du rap engagé. Je ne me dis pas le professeur, mais ils se reconnaissent en ce que je menais comme lutte. Ils ne seraient jamais en politique, tous ces gens-là. Ils ne seraient jamais dans l'activisme. On connaît l'histoire, et c'est pas pour m'entambouriner les torses. C'est ça la vérité, et la vérité reste. On va marteler là-dessus. Radik. Une question m'est venue dans la tête quand tu dis Mambo Nusoso Loba, tu es vraiment clair avec tout libertinage. Je me dis qui est derrière toi. Est-ce que Radek a des supports par rapport à comment Nusoso Tanga? Tu as des supports, les gens qui te soutiennent au bas de la parapluie, Nayo. C'est pour cela que tu passes à la télévision en train de tout dire. Tu es clair dans tes propositions. Là, dans la télévision, ça me coûte dans les 50 à 100 dollars. Ma ce programme à semaine, je dois passer au journal TV de la RTGA à 20h. Ça me coûte 150 dollars. Je dois passer au journal TV, il y a Antenne A le dimanche. Ça me coûte 200 dollars. Je dois passer à une émission sur Africa TV, ça me coûte 100 dollars. J'ai des émissions semaines et belé. Sur Obéti Machin Autogé, même dans la 700. Aucun combattant, aucun groupuscule à combattant, aucun de ces gens qui aiment la République partout dans le monde, États-Unis, France, Allemagne, Batindiata 100 francs, pour Nassalaron. C'est l'argent, c'est le lait de mon fils d'Odjoune Natienakat, d'un privé. Là, on a payé qui s'y boit l'éléphant, on a battu à 100 francs. Mais ils prétendent aimer le Congo. Et lorsque je veux changer de Kazakh un jour, Radek, ils vont commencer à me juger. Ne me jugez pas, je ne vous dois rien. Je ne dois rien à qui que ce soit.
Je mène une lutte qui est noble, dans celle à ma manière. Je n'ai pas de leçon à recevoir. Puisque personne ne me met du grain sous la dent. Non. Je marche avec mes convictions. Je suis prêt à mourir pour mes convictions et que personne ne me donne des leçons. Parce que quand je crève seul. Quand je manque seul. Quand je fais des clips, je le fais seul. Personne ne m'accompagne quand je souffre. Alors laissez-moi mener ma lutte comme je la vois. Je soutiens qui je veux, je fais ce que je veux. Je n'ai pas besoin de maître penseur, de maître à penser. J'en veux jamais. Apparemment, tu es fatigué de la lutte. Tout ça, non, lecture. Hein, là. Je ne suis pas fatigué de la lutte. La preuve en est que Nado continue et je mets toujours de l'argent. Parce que la promotion sur toutes les chaînes TV, ça demande l'argent. Ça demande l'argent. Je suis sur 10 chaînes TV et 5 radios. Ça fait combien par semaine? Sans compter toutes ces émissions-là. Mais je suis en train de me ruiner. Les amis sont en train de se marier. Ils font plaisir à leur femme. Quand est-ce que moi je veux faire plaisir à ma femme? Maman, c'est pas tout ton gâteau. Quand est-ce que moi je veux finir mon chantier? Les gars, ils vont dans des vacances par-ci par-là. Mais quand est-ce que moi aussi je veux prendre de Djoun et d'or à Tokyo voyage? Donc moi, tout qui n'a rien à lutte. Vous en avez marre alors? Vous voulez pas qu'on avance? Alors faisons du sur place. Mais moi, j'ai refusé de faire du sur place. Je mène ma lutte avec ou sans ces gens-là. C'est ça la conviction. Attends, la tigale n'a mon emmené lutte n'a mon go. Attends, la tigale n'a mon go, n'emmené lutte n'a mon go. Je suis prêt à me transformer en mendiant pour que lutte est Simba. Pour donner la solution au peuple congolais. Moi. C'est vraiment une émission, je dirais une émission que on a salité banabatan, que avoir c'est un invité plutôt à Zolo avec son cœur, et puis alors le problème à Congo, problème à congolais. Tout ce qui est à la base, il y a l'histoire d'un bisou à l'élo, l'homme congolais. Et ce genre de situation, ce genre de Yamakambo, tout, ce sont des trucs à soutenir. Et ça vaut pas de la peine. Vous lui donnez $45,000 pour chanter, vous lui donnez tous ces gens-là, moi je pense que Isa Mabele à Malam Yarolo na Yango, Radek va donner son numéro et puis on est déjà à la fin de cette émission. Et s'il faut dire votre mot de la fin pour cette émission d'aujourd'hui. Et rappelez encore votre numéro parce qu'il y aura des gens de bonne foi qui voudra soutenir cette lutte juste que tu mènes. Il faut bien que tu n'as quitté mouton n'aurait ma fort n'aurait n'a pas ça au la peau façon toujours bundato tout traverser bas océan pour le bien-être du peuple congolais, pour le bonheur, pour l'éveil de conscience. Mais en retour, nous voyons des gens incapables de traverser une flaque d'eau. Pour nous, ça fait mal. Très mal. J'ai sacrifié ma famille durant près de 15 ans. J'ai sacrifié mes gens. J'ai perdu des copines, des femmes que je pouvais épouser. J'ai presque tout perdu. Le rap m'a tout pris. L'engagement m'a tout pris. Le temps, l'énergie. Pour servir la République. Mais quand je vois des ingrats dans la lutte, un peuple fanatique, tribaliste, prêt à te sanctionner, à te juger, parce que tu prends position, une position juste, ça fait mal, ça désole. Mais le combat ne peut pas s'arrêter là. Pour ceux qui disent que c'est une défaite, tu peux si tant au mal et régner. Il faut continuer la lutte, c'est important. Mais les gens doivent comprendre que non, l'argent, c'est les nerfs de la guerre. Sans lutte, on ne peut rien. Je ne suis pas producteur d'événements. Donc, Bolingi n'a produit. N'a disque, Banzembo. N'a clip. N'a promotion. Mais soyons quand même humains. Tout le monde dans mon organisme, soyons quand même humains. Je ne suis pas le producteur. J'ai une famille aussi qui doit vivre. La lutte n'avance pas. Pourquoi? Posez-vous des questions. C'est pas des jérémiades, c'est un ras-le-bol, un coup de gueule. Lorsqu'on met nos vies en danger pour cette République, la République doit savoir
rendre honneur, faire honneur à ses enfants. Le contraire, c'est de la sorcellerie, c'est de l'hérésie. Voilà pourquoi on continue à souffrir. Vous ne voulez pas résister, mais acceptez de souffrir. Ne vous lamentez pas. Il y a aujourd'hui la lutte. Beaucoup se sont compromis. Beaucoup tengami. Entre autres, le rappeur Otangiona a compris que Ezo Oumela, il ne le faisait pas pour le cœur et la raison. Ce n'était pas une passion pour le Congo. Il a dit par opportunisme, ambition pécuniaire, le positionnement. Voilà Nengakei, un rappeur assis ou Mugakoui, vous n'avez pas politicien. Nengemo n'a pas politicien. A comme une Nengemo. Vous comprenez? Abo Saninios. Amnésie. A comme une amnésique. Voilà. Mais ce que tu boyes le courant. Tu dois se rendre pas, tu dois se rendre tais, pas question de reddition. Tu dois se rendre tais. On continue la lutte. Ah, bandeko nangai. Radek, Sifo, ce que tu donnes aussi votre numéro, c'est important, très important par rapport au discours que tu fais. Plus 243, 81, 42, 45, 186. Ma page Facebook, c'est Radek Suprême Officiel. Combien a été pour bah, ça, les clips bien, c'est non, j'ai plus besoin de ça. J'ai besoin maintenant des partenaires et des alliés. Autre ça, là, que vous saluez, que les bossons. Mon YouTube, ce sera ma clip à reposer en paix à Libo, qui n'est pas que YouTube, dans un Radek Suprême. Vous abonner massivement, c'est très important pour la communication. Vous téléchargez Néambongo. Vous téléchargez Ambongo. Vous linga, vos combattants Nabino, vos guerriers valeureux, vos braves. Vous allez arrêter que non, pourquoi on vous juger? J'ai fait le bien et le mal dans cette lutte. J'ai fait le bien comme le mal. Mais ce n'est que le bien que Babosana. Ils n'ont gardé que le mal. J'ai mes attitudes. J'ai mes comportements, mon d'accord arraché en route. Je suis un humain, je peux faire des erreurs, des fautes. Tu reconnais tout ça toi-même. Je suis un humain, je peux faire des fautes. Des fautes d'appréciation, dans mes calculs, dans mes attitudes, ça peut arriver. Mais ce n'est pas ça la lutte. La lutte c'est autre chose. Jugez-moi par rapport à la lutte, non par rapport à mes comportements, à mes agissements, à mes sauts d'humeur, à mes colères. Sois sérieux. Heureusement que Nao continue le combat. Heureusement que je maintiens la cadence. Heureusement que Radek Suprême est de retour. Et c'est pour le bonheur de tous les Congolais. J'ai eu des messages, des tonnes. Donc depuis que Reposé en paix, Bimi, le 30 juin, il n'y a que des messages d'encouragement, des félicitations. Radek revient. Radek, on a besoin de toi. Radek, mais vous étiez où tout ce temps-là? J'étais perdu. J'ai connu un sérieux passage à vide. C'était compliqué de remonter la pente. Bien sûr, j'étais dans ma business, dans tout ça, ma voyage, dans l'intérieur, dans goulou, ma ferme, ma banine, tout ça. C'était compliqué de remonter la pente. Je me suis laissé emporter dans ma politique, tout ça, en oubliant que j'étais d'abord un rappeur engagé. Le soldat est rentré dans la caserne. Le combat continue maintenant. Mais on ne sait plus continuer seul. On ne pourra plus continuer seul. Les gens doivent comprendre ça comme ça. On va le dire en quelle langue? Tout ça, clip là, Jean Goubal bientôt. Nzemboué Bima, c'est la politique. Ngana Robenga, yo, ya studio, au mon abisso. Ngana Robengi, ça, yo, dans 72 heures, yo, ya studio. Mais c'est l'argent. C'est l'argent que personne n'a donné à part toujours la poche de Radek. Vous voulez que je me ruine ou quoi? Le clip, encore un clip de bonne qualité, ça va demander de l'argent. Et quand on ne fera pas de promotion, que ça passe inaperçu, reposez un peu à Ngoyo. Combien aimait Rossi, combien aimait Gabi, combien ne jurait que sur ces gens-là, tous ces politiciens-là. Ils parlaient tout en. Mais sur Bengi Bango, Radek, on va voir. Radek, on va voir. Le peuple écoute aux abonnés absents. Geno Bao, tiens, moi, un plus. Banda, Geno, alternance et quota. Ils croient que non, le combat est fini. Or, le combat n'est pas encore fini. Ils sont en train de pleurer là maintenant. Moi. Beaucoup ont cru que Tshisekedi là vraiment la pouvoir, bon, tout va changer. Ça fait combien de mois déjà? Tout le monde qui est dans le sixième mois, tout le monde qui est dans le septième mois.
rien n'a encore changé. Il y a beaucoup de choses qui... Il y a, certes, il y a une volonté. Le président de la République a besoin de faire des choses. Mais il est esclave. Il est esclave. Il est otage quelque part. Il est pris. Ok, ouais, je pense que vraiment on est vraiment à la fin. On te remercie Radek pour la disponibilité. Et puis là je dis merci à tous les gens qui ont suivi cette émission, de vous abonner massivement sur Congo Promo TV5 et puis soutenez aussi cette émission Excellence. Notre numéro est là, donc venez nous contacter. Binotu Bolingo participer dans cette émission, donc contactez-nous. Toute l'équipe de Excellence est vraiment disponible. Donc merci au boss, donc à tous. Seigneur, tout honneur, lui, c'est l'ingénieur Raph Nguindo, donc depuis 001, avec toute la famille. Je te dis merci pour l'opportunité de vous offrir ça. Je dis merci à Jenny Mangaya. Je dis merci aussi à Djenga Cellulaire, donc Mutuna Chombo, prêtre Djenga Cellulaire, avec force, non, soutenir Masolora Andesa, donc Zero Zungabakin, Poto Solara, Randengeza Lara. Je profite aussi à dire merci aussi à mon ami Patrick Losso, depuis 001, Rossi. C'est fou 001, Julio Matomele, et sans oublier aussi Junior Rouanet. Donc on est ensemble. Quant à moi, retrouvez-moi très prochainement, toujours sur cette émission qui est Excellence. Inch'Allah.